No, it's okay. No, no. I would have never been to Mexico. Christian Mundiu for Christian. Yeah. Okay. Okay. Thank so you. So it's fine. Sí, podemos. Now, we all know about your interest in immigration issues, so I would like to ask you, Torre della Loquita is the fourth film about immigration. Why is so important to you this question? Maybe we can start with Jean-Pierre. Parce que c'est sans doute la, enfin, une des grandes questions aujourd'hui que, auxquelles nos pays doivent pouvoir répondre. C'est et que contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas momentané. Il nous semble, nous, que c'est un, on est parti, c'est un long mouvement. Comment on va pouvoir essayer de, comment on va pouvoir vivre ensemble avec des gens qui viennent en Europe parce qu'ils espèrent trouver en Europe une vie meilleure. Et comment faire aussi pour que ceux qui veulent rester dans leur pays puissent y rester. C'est-à-dire que les rapports de domination que l'Europe continue à avoir avec certains pays, pas seulement l'Europe d'ailleurs, aussi la Chine, aussi la Russie, que considère par exemple l'Afrique comme une terre d'exploitation, tant que ça ne change pas, il y aura toujours des gens qui veulent venir en Europe pour avoir une vie meilleure parce que chez eux la vie est infernale. Soit c'est la guerre, soit c'est la famine. Donc c'est une des grandes questions pour nous importantes et qui pose profondément cette question de qui est primordiale à nos yeux, c'est que faire avec les avec l'étranger. Comment l'accueillir? Comment reconnaître en lui un être humain? Comment, oui, voilà, un frère, une sœur, et pas quelqu'un qui vient, pas un ennemi. Ok, pour continuer the question, looking at the example of Belgium, at first glance, Europe seems to open its doors to immigrants. But the system is very difficult, so they're losing the time during the bureaucracy, so in this becoming victims, right, no, of this illegal process. In this case, Torre and Loquita, they are victims of the system. No, to you, where is the catharsis in this respect? C'est-à-dire, effectivement, dans le film, on montre qu'il y a une violence administrative. Le film commence par cela. Loquita est présentée dans un cadre qui l'enferme. Elle est prisonnière du fait qu'elle est sans papier. Et elle va être prisonnière encore dans le film de plein d'autres choses. Voilà. Le seul espoir de reconnaissance qu'elle obtient, c'est grâce à l'amitié de Tori. Voilà. Alors, le système aujourd'hui ne permet pas, en tout cas, si on parle que des mineurs, des exilés mineurs, des enfants, des adolescents, ceux qui sont normalement protégés par les conventions européennes en tant qu'enfants. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui est vraiment un problème parce que, sauf si vous êtes persécuté dans votre pays ou réfugié d'un pays en guerre, vous ne pouvez pas obtenir de papier. Alors, ce qu'il faudrait, c'est permettre aux jeunes qui arrivent de commencer un programme scolaire ou un programme d'apprentissage d'un métier et de le poursuivre au-delà de 18 ans. Et quand ils ont terminé leurs études ou qu'ils ont obtenu le diplôme pour exercer un travail, de pouvoir l'exercer, de pouvoir exercer leur métier ou poursuivre encore des études supérieures. C'est ça la vraie solution. Et il n'y en a pas des millions de jeunes migrants. Il y en a des milliers, mais pas des millions. Ce n'est pas une tâche impossible. Et je pense que, d'un point de vue, je dirais, réaliste, c'est même très bien pour nos sociétés. Parce que la petite histoire, quand on a eu le prix à Cannes, on l'a dédié à M. Ravaclet, au boulanger, qui a fait la grève de la faim pour que son apprenti puisse rester après 18 ans, son apprenti boulanger. Et il a dit, quand il a raconté, il nous a raconté l'histoire, parce qu'on l'a vu après le Festival de Cannes, et il a dit, mais le garçon, aujourd'hui, il est en France, il a ses papiers. Donc, après sa grève de la faim, que lui a faite pour son apprenti, le garçon a obtenu ses papiers et il travaille en France. Il va se marier et il a dit, et des boulangers, on en a besoin. Et c'est vrai. Il faut arrêter de penser que ces gens ne sont pas capables d'apprendre un métier, de vivre avec nous et d'aimer être avec nous. Ils ont ce désir aussi. Et c'est ça qu'on montre dans le film, c'est que le jeune migrant, ce n'est pas le dealer qui va vous voler votre sac dans le métro.
Il y a une immigration, une frange de l'immigration qui est criminelle. On le sait. Et que la police fasse son travail, et c'est très bien. Mais la majorité, ce n'est pas ça. C'est des gens qui veulent simplement vivre mieux. C'est tout. Et qui sont d'accord de vivre avec nous et de respecter nos lois. Yeah. And today we are stressed out, very tired society. So we're trying to escape the problems and prone to think less. And what is the role in this time of modern cinema to you? And we are living in the age also of the social media. No, this is a Et le rôle du cinéma, c'est d'arriver. Enfin, il y a plusieurs rôles. Faut pas. Je suis pas non dogmatique. Je suis pas l'organisateur de ce que doit être le cinéma. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que, entre autres, dans ce film-ci, des gens qui sont invisibles dans nos sociétés, on les met au milieu de nos images. Et Tori et Lokita, on essaie d'en faire des êtres humains dans nos films. Pour que le spectateur ait, pendant une heure et demie, un rapport, un dialogue, une conversation silencieuse avec des êtres humains, pas avec des cas sociaux, pas avec des cas psychologiques, mais des êtres humains avec toute leur complexité. C'est ça, pour nous, ce qu'on essaie de faire avec nos films, c'est que Rosetta soit un être humain, Tori soit un être humain et Lokita aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et salutations à la Géorgie. Yeah. Meilleure salutation. La estrella de la película. Sí, sí, claro. Sí, 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 claro. Mets-toi pour la photo, mets-toi pour la photo. Ciao, Joely. Ciao. Together, yeah.